Enfin bref, salut à tous, installez-vous. On est parti, on va commencer la campagne de The Avengers. On va se mettre en mode normal, hein, voilà. Si jamais on voit que c'est beaucoup trop facile, on restera quand même en mode normal et on dira que c'est beaucoup trop facile. C'est quelque chose qu'on peut observer presque tous les jours. Des gens qui abusent de leur pouvoir. Mais les Avengers ne sont pas comme ça. Je le sais bien au fond de moi. J'arrête pas de me dire qu'il devait y avoir une raison à tout ça. C'est peut-être le signal que j'attendais. Je vais peut-être enfin pouvoir... agir. Ah, il faut faire la campagne pour faire du coop ? Non. On voit le pont à bout, regarde là. Oh. Oh, il était temps. Oh. Oh. Ces sièges sont terribles. C'est vraiment superbe. Oh, je m'attendais quand même à ce que ce pont soit doré comme son nom l'indique. Il y a vraiment beaucoup d'autres enfants. Je parie que leurs histoires sont toutes géniales. Ah d'accord. Ça, c'est... La compétition, c'est ce qui nous fait progresser. Et si... s'ils aimaient pas mon histoire, ou bien s'ils attendaient autre chose, il faut qu'elle soit parfaite, tu comprends ? Oh, quand tu es né, ton frère trouvait que tu avais des yeux globuleux. Quoi ? Moi, j'ai trouvé que c'était les plus beaux yeux que j'avais jamais vus de toute ma vie. Nous sommes tous uniques, Kamala. Tu devrais être fier de qui tu es. Je t'aime, Apu. Je t'aime encore plus. Et je suis sûr que tu vas gagner ce concours. Oh là là, t'imagines ? Et la gagnante pour le prix de la meilleure fanfiction avec les Avengers contre les terribles lézards des égouts est Kamala Khan ! Et la foule m'acclamerait. Voilà, c'est ça l'idée. Promets-moi une chose. Que tu gagnes ou non ? Oh, je serai quelqu'un de bien, Apu. Oh, bête. Le bien, ce n'est pas ce qu'on est. C'est quelque chose qu'on fait. C'est ça, ma fille. Nous approchons du quartier général des Avengers sur la gauche, et nous poserons bientôt sur le Chimère. Et dans The Boys là. Allez, à bout. Dans une entreprise. J'arrive, calme-toi un peu. Oh, c'est vraiment génial. Avengers Day. Ok, je dois récupérer mon badge. C'est parti pour le concours d'écriture. Oh. Bienvenue au jour des Avengers. Au rapport, Cap. Tous les VIP et les finalistes. On se croira à Disneyland. Bienvenue au jour des Avengers. Plutôt cool. Mais j'espère que je verrai les vrais. Bonjour, finaliste. Tu peux me donner ton nom ? Kamala Khan. Et voici mon père. Youssouf. Les Khan, super. N'oubliez pas notre grande chasse aux comics. Récupérez les 5 et vous pourrez accéder au balcon VIP. Une fois que vous les aurez tous, scannez votre téléphone près de l'ascenseur et vous pourrez monter. Tu n'as pas déjà assez de comics ? Mais c'est pour le balcon VIP. Il faut que j'y accède. Quel enfer ! Avec le protecteur qui arrive. C'est vous les héros ! C'est ça. C'est vous les héros ! Appuyez sur flèche du haut pour activer Vigilance Tactic et afficher les marqueurs d'objectifs. Ok, faut que ça soit. Le rouge, mais pas les verts. J'ai besoin de 150 points pour gagner. Pas de problème. Ah.
Ok, donc faut faire des mini-jeux pour avoir le petit magazine. Est-ce une tentative de cacher et de faire perdre du temps? Hop, chaque comics obtenu vous octroie un petit bonus de stats. Récupérez plusieurs exemplaires d'un même comics pour augmenter ce bonus. Les autres. Ah non mais oh, va pas déconner non plus. Captain America et les Avengers, l'affrontement des super-héros. Wow, Hulk écrase. Elle est tarée. Hein. Comment on joue? Ok, c'est parti. Faut faire quoi? Mâcher un bouton? C'est bien fait, il est genre archi fan. C'est vous les héros. D'ailleurs, hey, dans combien de temps ça sort? Oh. Abou va me tuer si je rapporte encore des peluches à la maison. C'est dans... Ben, dans 4 jours. En vrai. Oh non. Est-ce que ça va? Non, j'ai déjà ce comics. Il faut celui de Captain America pour finir la collection. Eh, si tu le trouves en double, on pourrait échanger? Ouais, bien sûr. Super, à plus tard. Je suis Iron Man. Je suis Iron Man. Trop cool. Ok, là, il y en a plus en stock. Oh, j'y crois pas. Des gants répulseurs. Il faut que j'en essaye un. C'est dingue. Oh, c'est trop cool. C'est vous les héros. Quelle est donc cette atrocité? Oh. Ah, toutes mes excuses. Tu es toute petite, je ne t'avais pas vue. Tu n'as rien à craindre de la part d'un fils d'Odin. Même si je comprends ta réaction. Quel est ton nom? Oh, Kamala Khan. Je vois. Et quelle est cette chose que tu tiens? Oh, c'est un rayon muon à haute densité. Un gant répulseur modèle 3, le premier camp de Tony Stark. Pou, 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 pou. Par la barbe d'Odin. Tu es presque aussi intimidante que lui, hein? C'est très drôle. Oui, en effet. Regarde, voici maintenant une arme qui se passe d'amélioration. Oh, wow. Quiconque possédera ce marteau, si il ou elle s'en trouve digne, recevra le pouvoir de Thor. C'est ça. La différence entre les gadgets de Stark et... la puissance d'un dieu. Peut-être. Mais tous les héros doivent commencer quelque part, non? Oui. Oui, bien sûr. Tu es ma foi bien sage pour quelqu'un de si jeune. Merci. Vous aussi. Kamala Khan. Je me souviendrai de ton nom. J'arrive pas à croire que je viens de rencontrer le dieu du tonnerre. Génial. Les comics, la récompense. Allez, on se concentre. Alors, trouver le comics en double, c'est lequel? Non, ça c'est celui de Hulk. On est d'accord. Donc faut celui de Captain America. Where is the Captain America? Et je pense qu'il est par là. Ouais, il est par là. Donc faut faire deux fois cette épreuve. Ah non, mais y'a pas. Oh non, y'en a plus. C'est le bouclier qu'a utilisé Cap pour frapper Hitler en pleine tête. C'est trop cool. Pousse-toi de là. Désolé. Ce concours devrait être réservé aux vrais fans. Hé, hey, qu'est-ce qui te fait penser que je suis pas une vraie fan? J'ai le droit d'être là, moi aussi. Tu penses vraiment que les Avengers ont lu ta petite histoire? Vas-y, dégage. C'est vous les héros! Quand la foule. On peut choisir la langue des dialogues? Il me semble que oui.
Et le monde Where are you from? From France, but Square Enix send me the code. Ah oui, d'ailleurs, merci à Square Enix. Un arbre au bord du fleuve de la vérité. Et dites non. Vous partez. Hein? Et qui a dit ça? Un vrai fan le saurait. Ouais, si tu le dis. On se tire d'ici. Oh mon dieu, elle est plus whip que nous. Partons! Non, merci JJ à Square Enix pour le code d'Avengers en version de Luke qui me permet de stream maintenant. Génial. Il n'y a même plus de comics. Tu sais, pour ce que ça vaut, j'ai trouvé ça très courageux. Merci. Elle doit être une fan de Captain Marvel. Il ressemble grave au protecteur. C'est toi le héros. Captain America. Je suis Kamala. Kamala Khan. Oh putain. Khan. C'était l'histoire sur les espèces de lézards. Lézards des égouts, oui. Ouais. Ouais. T'auras vraiment aimé celle-là. Ils ont déjà eu un problème de lézards des égouts sur Asgard. Vous avez lu mon histoire ? Toutes celles qu'on a reçues. C'est trop génial. Hé hey Cap, on doit retourner sur scène. Tarleton va perdre patience. Tu as vu Thor ? Il devrait être là maintenant. Ah, moi je l'ai vu. Je veux dire, il était là-bas au stand Stark. Mais il doit plus être là maintenant. Je l'ai vu s'en aller. C'est qui ça ? Nat, je te présente l'une de nos brillantes candidates. Voici Kamala Khan, notre spécialiste en lézards des égouts. Oh, je vois. Oh, ce que tu m'as fait faire avec cette plaque d'égout, super cool. Oui, enfin, c'est rien à côté de ce qui s'est passé entre vous et Madame Hydra. C'était dingue. On devrait retourner sur scène. Je trouve que c'est très long. Peut-être à bientôt, Kamala. À la prochaine, petite. À la prochaine. C'était Captain America et Black Widow. Oh, c'est incroyable. Bon, ça c'est fait. Et quel comique il faut que je chope en double, en fait. The power of Thor, the god of thunder. Des comics. Cool, encore des comics. Ne laisse pas. Ce sont les scientifiques qui sont passés à la télé. Malade. Le terrigène appartient à tous. Ce n'est pas un jouet pour milliardaires. On peut y remédier. Concentre-toi sur ce qui est important. Ces personnages ont des couleurs. Ils sont Notre importants. Ton travail va changer le monde, George. Je sais que tu n'aimes pas le décorum, mais je suis sûre que ça va nous aider. Il voudra le pouvoir et l'argent. On le maîtrisera. C'est ton grand moment. Avec l'argent de Stark et ton génie, tu seras un héros pour tout un tas de gens. Réfléchis, on est si proches. Te voilà. Bruce. Tu as disparu ce matin. J'ai toujours beaucoup à faire. Je sais, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah mais c'est She-Hulk ! Rien. Juste un petit problème. Nous avons reçu d'étranges signaux venant du réacteur. George, vous aviez peut-être raison. Nous aurions peut-être dû attendre avant de le présenter publiquement. Est-ce qu'on pourrait vérifier les chiffres, juste une dernière fois ? Ah, oui, certainement. Merci, je suis désolé. Les personnages sont bien motivés, ils sont importants. Oh, je suis perdue. Je vois. On va aller retrouver tout le monde, d'accord ? Oh, je l'ai déjà, celui-là. Attends, je peux peut-être échanger celui-là avec le garçon ? Heureusement, il vient de se TP devant moi. J'ai eu le comics que tu voulais. Génial, je te l'échange. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. J'y suis presque. Balcon VIP, me voilà. Hop, il y a tout le monde qui s'est retourné, ils vont me voler mes comics, hein. Eh. J'étais presque. Presque, Dean. C'est déjà pas mal. Voilà ton comics. Merci. Trop bien! Maintenant, je veux faire c'est partie bon, des Avengers. J'ai plus qu'à rejoindre le balcon VIP. Incroyable, c'est la taille de ce truc. En vrai, c'est pas mal. Enfin, moi, je suis pas très sensible
J'aime bien les films Avengers et tout, mais notamment le comment ça s'appelle ? Directeur Fury. Lequel avec Thanos ? Le premier. Directeur, ne craignez-vous pas que le réacteur de votre héliporteur ne soit pas capable de contenir ce térigène ? Nous ne savons rien N'ayez de cette crainte. Nous ne l'aurions pas utilisé s'il y avait le moindre risque. Sachez que le Chimère bénéficie à la fois de la protection des Avengers et du Shield. Merci. Bruno voudra jamais me croire. Oh, petite, fais attention. Oh. Pardon. Infinity War. Infinity War, ça m'a donné tellement la foi que ça commençait à partir un peu en zep-zep. C'est l'ascenseur qu'il faut prendre pour atteindre le balcon. Il faut que tu scannes ton téléphone. Tu as bien les comics. Oui. Nous vous rappelons que si vous récupérez les 5 comics exclusifs à cet événement, vous pourrez accéder Endgame, c'était vraiment dubitatif. Sésame, ouvre-toi. Je détiens tous les comics. J'ai pas compris, qu'est-ce que ce téléphone fait avec les comics ? Les a scannés en fait ? J'ai pas compris là. Enfin, bref, tout ça pour dire que j'aime bien, mais je suis pas à fond. Donc ça c'est cool pour un mec genre qui est à fond sur les Avengers, je trouve que ça peut être sympa parce que tu vois un peu tout, tu fais des petites épreuves. C'est marrant. En vrai c'est marrant. Deux événements extraordinaires. C'est le plus beau jour de ma vie. Alors je suis content d'être là. Bien plus formidable que nous sommes. Nous sommes aussi ici pour vous présenter une nouvelle source d'énergie non polluante, appelée Térigène. On m'a beaucoup vanté sa puissance. Pour expliquer son fonctionnement, voici l'homme qui l'a découvert, le docteur George Tarleton. On t'aime, George. Merci, Capitaine Rogers. Le chimère est alimenté par un nouveau minéral. Le Térigène. Il y a 3 ans, j'ai découvert une étrange pierre, oui, dans la baie de San Francisco. Après analyse, il m'a paru clair que ce minéral... Voilà, du scorpion. San Francisco, une ville formidable. Même s'il faut se garer, c'est pas gagné. Je vais me pencher sur le problème, d'ailleurs. Je lis ça. J'aime pas du tout ça. Faut qu'on parte d'ici. Viens. Ah, ça c'était pas prévu au programme. Ça m'a l'air d'être plus qu'un accident. C'est pas un accident. Thor, Tony, allez voir. Tout de suite. Essaie de suivre. Prépare le Quinjet, Nat. Au cas où. Je m'en charge. Bon, est-ce qu'ils ont réglé les problèmes de framerate par rapport à la bêta ? Oui, évidemment. Je vais devoir me rattraper. Wow. Ça commence à devenir intéressant. On va faire ça vite. Je t'ai pas attendu. Thor, essaie de dégager un passage sur le pont. Ok. Merci pour votre aide. Eh ben putain. Coincé derrière ces barrières. Pour le moment, c'est un peu plus. Je vais m'occuper. Bon, par contre, il y a moins de textures que dans la bêta. Genre, quand tu te mets en mode 60 FPS, genre, regardez mon marteau, il est à peine chargé. Mais au moins, c'est fluide. On va bien s'amuser. Thor, tu as pu identifier nos ennemis ? Ils ne se sont pas présentés. Attendez, ces armes viennent du Shield. Je vais contacter le commandant Hill. Car ils ont choisi ce jour pour une bonne raison. Je suis d'accord, Bruce. Je reste dans le chimère jusqu'à ce qu'on ait une idée de ce qui se passe. Hop, ça c'est fait, ça.
Voilà, on connaît. Ouais, et justement, on va pouvoir comparer les baisses de framerate, tout ça. Là, pour le moment, pas une baisse de framerate. Hein. Et ça, c'est beau. Là, ils ont vraiment taffé. La bêta, elle a vraiment été utile pour le coup. On verra, c'est surtout avec Hulk qu'on avait beaucoup de grosses baisses de framerate. Parce que là, je suis en mode 60 FPS. L1, alors L1 c'est là. Voilà, oui, c'était très impressionnant. Ça te surprend? Oh, quelle arrogance, ça me plaît. Attention! C'était avec Hulk, je dis, ouais, avec Hulk, ouais. Donc on va voir ça très très vite. J'adore. De toute façon. Oh merde, quel salaud! Oh putain, le salaud! Oh merde! Quand là ça va swap, c'est bon, ça va swap. On vient de me confirmer. Un convoi du Shield a été détourné ce matin. Quick, quick, c'est le briefing de Fury que je lis jamais. Tu devrais, Tony. C'est important. D'accord, ça va. Des roquettes pulsars. Ravi de voir que Fury avait rangé tous mes gadgets au même endroit. Ces roquettes vont déstabiliser le pont. Oui, je sais. C'est moi qui les ai fabriquées. Ça, mais ils sont combien, là? On devrait protéger le cristal terrigène. S'il est touché, je suis déjà sur le coup. Le docteur Tarleton est en route vers la salle du réacteur. Restez à couvert. Bon, qui est le soldat en carton qui m'a tiré dessus? Iron Man, the best. Avenger. Le convoi transporte des prototypes secrets du Shield. Fury cherche ce qu'il contient exactement. Il, comment va ça? Dites à Fury que j'adore me faire tirer dessus avec mes propres armes. Je vous tiendrai informé. Et Goose va bien. Ah, je pensais pas que vous aviez entendu ça. Je pensais que ces idiots auraient fait demi-tour depuis le temps. J'ai vraiment l'impression qu'on a un train de retard. Ça cache quelque chose. Ouais. Bon, j'ai hâte d'avoir Hulk pour confirmer ça, mais déjà ça a l'air vraiment plus comme. D'équiper les camions du Shield de tourelles. Tony. Ah oui, c'est moi. Comment ça se passe pour toi, Tony? Oh, ça va. Tout se déroule à merveille. Superbus qui ne feront pas. Je m'en doutais. Ils ont des blindés plus tard. Ce bruit. Cap, ce vaisseau n'est pas prêt pour voler. Pourquoi il bouge? Quelqu'un a initié les protocoles de sécurité. Le Chimère est en pilotage automatique. Il te faut des renforts, on y retourne. Négatif. Sécurisez le pont. Ces armes ne doivent pas entrer dans la ville. Bien sûr. À toi, Bruce. Bonsoir Fred, comment vas-tu? Installez-vous bien. Allez, c'est là qu'on va voir si il y a vraiment eu des améliorations au niveau de la framerate. Oh les grosses patates. T'imagines, t'es là avec ton petit fusil et t'as un mec tout vert qui fonce dessus en courant comme ça, genre grave vénère.
Ah oulala, il y a des petites baisses pour les explosions. Mais là ça va. Il y en a quand même beaucoup moins. Mais bon, faut qu'il y ait quand même un peu de texture, parce que si ça explose et qu'il n'y a pas de texture. Ils sont agaçants, pas vrai? J'arrive. Oh, Hulk, il est vraiment ultra jouissif à jouer. Hop, des grosses patates là. Hop, KU dans ta gueule. Hulk tout cassé. Je pensais seulement rencontrer mes fans et manger du gâteau aujourd'hui. Concentre-toi, Sammy. Ah, Spider-Man, pareil. Parce que là, je me dis que c'est pas trop designé. Après, je pense que Spider-Man sera disponible qu'en coop. Je pense pas qu'il soit dans le mode histoire. T'as déjà bien souffert. Ouais, pas de baisse de framerate. Médisance. Je le vois. Hulk, je vais atterrir le Quinjet. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh merde. Oh yeah. Tes inventions sont dangereuses, Stark. Eh, hey, ces armes étaient destinées aux gentils. Est-ce que c'est censé être une blague? C'est pas le moment. Concentrez-vous un peu. Oula. Il se passe quoi de ton côté? Je sais pas, Nat. On dirait que le réacteur a un problème. Je vois des relevés étranges sur les écrans. Comme si on était attiré par un signal thermique. Nat, ça va détruire la ville. Répète ça, Cap. Je te reçois vraiment mal. Nat, tu m'entends? Can you hear me? Hulk en concert, il tape dans ses mains. Fin du concert, merci de passer, j'imagine. Put your hands in the air! Paf! Il claque dans les mains, c'est terminé. Oh, ça c'est beau ça. Écoutez-moi, le chimère se fait attaquer. Évacuez les civils! Hop, ça balance des fumigènes là. Bon, ça c'est pas un problème. Ah, ça c'est un problème. Ça va péter! Allez, allez, allez! Steve, tu m'entends? Nat! Nat! Vous êtes là? On a été coupé! Captain, on a un problème! Je sais, Doc. Il essaie de détourner le chimère. Pas ça! J'avais jamais vu de tels résultats. J'arrive dès que possible! Alors, attendez, je vais essayer un truc. Ça, ça va faire très mal. Ah ouais, mais Steve Rogers, il envoie du pâté là. Là, ça envoie des grosses patates comme on aime là. Carlton, dites-moi ce qui se passe. Le réacteur ne se stabilise pas. La structure moléculaire du kérigène se présente maintenant sous forme de gaz. Quelque chose semble alimenter le réacteur en énergie. C'est incroyable. PS4 Pro, ouais. Là, je suis pas sur. Je suis pas sur PC parce que je me suis dit, bon, j'aimerais quand même jouer Spider-Man. On va pas tenir longtemps. Étant le. Mon Avengers préféré. Carlton. Carlton. Ouais, le triangle rond, ouais, ça fait très. Très Arkham. Le berger? Si vous m'entendez, le convoi transporte une bombe à perturbation sonique très dangereuse. Nos ennemis vont tenter de la faire exploser dans la ville. On est en descente. Je répète, une bombe à perturbation sonique. Sécurisez-la au plus vite. Mais là, il y a des gens qui sont morts. Une bombe sonique? C'est une blague ou quoi?
Je croyais que l'ONU les avait bannis il y a des années. Alors, l'organisation de la blague. En voilà une entrée. Ah, Taskmaster. Taskmaster. Allez, salut. Il faut récupérer le détonateur. Si cette bombe explose, elle peut tout désintégrer dans un rayon de 15 km. Alors, on n'a pas de temps à perdre. Quoi ? T'as entendu ce que t'as dit ? Oh man ! Super ancienne collègue ! Alors d'ailleurs, il me semble que dans le film Black Widow qui va sortir, sauf s'il est déjà sorti et que j'ai raté quelque chose, il me semble que justement le méchant ce sera. Taskmaster. Mais. Taskmaster, pour moi c'est un des mecs les plus balèzes du MCU en vrai. Bon, si on enlève tous les mecs qui ont des pouvoirs à la Thanos et tout. Taskmaster en vrai c'est une machine hein. Une petite part. Moi ça me fait mal au cœur de voir Black Widow 1v1 Taskmaster, je vais pas vous mentir, ça me fait mal au cœur. Hein. Oui, c'est lui le méchant. Bah justement, bah, ça me fait peur parce que bah Taskmaster, c'est quand même une machine, genre. Et je vois pas comment elle, avec ses tonfa, elle va réussir à battre Taskmaster. Taskmaster. Genre, il me semble que le seul mec qui peut affronter Taskmaster, genre dans le plus grand des calmes, en mode « Hey, pépère le hamster tranquille de chat », c'est Deadpool. Vu qu'il est complètement hasardeux. En fait, j'ai perdu, j'ai raté une QTE ou quoi ? Compris. J'ai raté une QTE ? J'ai pas compris. Ouais, j'ai dû rater quelque chose. Tu sais, j'espérais t'affronter. C'est marrant, moi je pense jamais à toi. Viens te battre. La réussite. Qui ça? Black Widow, elle a porté le marteau de Thor. Oui, mais bon, après Naruto il a réussi à invoquer Kyuubi, tu vois, au bout d'un moment. C'est l'esprit shonen qui s'empare d'Avengers. Ah mais son bouclier c'est une assiette. Bon voilà, moi j'aime bien Taskmaster et ça me fait chier qu'il se fasse battre par Black Widow quoi. Genre pour moi il y a que Deadpool qui peut le battre. Aucune importance, j'ai ça. Donne-le-moi. Genre Captain America, il en fait de la... Toujours des notes, comme d'habitude. Quoi? Il en fait ce qu'il veut aussi. Iron Man, il en fait ce qu'il veut. Ce sont des réflexes photographiques. C'est plutôt un manque d'originalité. Bon là, il commence à... Attendez, je vais utiliser mes tonfa là. Allez, viens. Aïe. J'arrive plus à esquiver. Ah!
Non, là, en vrai, Taskmaster, il aurait dû tilter toutes les esquives. Ça freeze ! Oh non. What ? Non, j'ai eu peur. Appuyez sur R2 pour utiliser la police Black Widow. Ok. Ça doit être frustrant. Tu veux le chimère, c'est ça? Et qu'est-ce que tu vas en faire, hein? Le vendre plus offrant? Tu es à la recherche de quelque chose de bien plus précis. Et qu'est-ce que c'est? Je ne serais pas gâché là. Ah, ça marche plus. Ah, ça marche plus. Ok, ça c'est bien ça. Oh, quel enfer. Cherche encore des réponses. J'abandonne. Jamais. D'accord. De toute façon, j'irai voir le film. Ah voilà, ça c'est le Taskmaster que j'aime bien. Qu'est-ce que t'as découvert pour l'instant? Que t'es pas le cerveau de l'opération. Et n'essaie pas de me distraire. Assez parlé. Elle est là pour activer le voile des ténèbres. Ah, ça c'est classe. Là. C'est quoi le problème? T'aimes pas les surprises? Bon bah ok, avec la visibilité, oui. Elle peut battre Taskmaster. Prends une meilleure note. Eh, hey, note pour la prochaine fois. Des lunettes. Infrarouge. Un détecteur de chaleur. En vrai. On dirait que t'as perdu, non? C'est ce que tu crois. Qu'est-ce que tu trouves si amusant? Regarde bien, Romanov. Le monde se souviendra de ce jour. Le jour où leurs héros ont échoué. Hulk smash. Mais qu'est-ce qui se passe? Toute la ville s'effondre. Bon sang, on s'est fait piéger. Steve, est-ce que tu m'entends? Sors de là et vite! Vite. Pourquoi elle avait pas de cheveux? Genre, j'avais une texture en moins? Il y a 5 ans, les Avengers ont présenté des technologies dangereuses et instables, provoquant malheureusement des dégâts sans précédent. Notre cher Captain America a été tué pendant la tentative de vol de cette technologie. Des milliers de gens innocents ont péri, et bien d'autres portent encore les cicatrices de ce que l'on nomme aujourd'hui le Heyday. Des centaines de gens sont tombés malades, se retrouvant enveloppés dans des cocons étranges qui leur ont octroyé des pouvoirs surnaturels. Sans remède connu, la maladie a semé la panique et s'est répandue dans tout le pays. En vrai, l'histoire, ça c'est intéressant. Les Avengers ont fait la promesse de rectifier la situation. Je vais repousser, c'est super pouvoir. Le témoignage du docteur Bruce Banner qui a sonné la fin d'une ère. Votre groupe de soi-disant héros a fait de ça. On va bien avoir super pouvoir. Zone de quarantaine pleine de gaz toxiques. Des gens infectés, dotés de pouvoirs, sèment le chaos dans notre nation. Beaucoup restent cachés et rôdent parmi nous sans que nous le sachions. Je vous repose la question, docteur Banner. Les Avengers sont-ils une menace pour la société? Oui. Leurs activités jugées illégales, nos héros autrefois glorieux se sont séparés. Mais de la tragédie est né l'espoir. Après la liquidation de Stark Industries, le docteur George Tarleton, lui-même victime du Heyday et fondateur de l'Advanced ID Mechanics, pense que la science est la solution aux problèmes de notre nation. J'aurais voulu voir ce qui est arrivé au capitaine Rogers, mais j'étais trop loin de la salle du réacteur. Je n'ai aucune réponse, mais je peux vous le promettre. Je ferai en sorte de tout mettre en œuvre pour garantir votre sécurité.
l'AIM saura trouver un remède à la maladie des inhumains. Des paroles réconfortantes pour ces familles déchirées par la maladie. Mais n'est-il pas trop confiant ? Beaucoup critiquent les stratégies de l'AIM, et on peut voir les rangs de l'armée de la Résistance se renforcer de jour en jour. C'était Phil Sheldon, en direct pour l'anniversaire du A-Day. Incapable de voir la révolution qui se déroule sous leurs yeux. Salut, t'es Phil. Ah, je sais. De toute façon, il était modélisé, il avait une tête de traître. Il doit y avoir un indice quelque part. Donc là, c'est 5 ans plus tard. Hé, hey, salut. Si tu trouves quelque chose, fais-en une copie. Je te trouverai. Ça, ça m'intéresse. Waouh, Stark rétro. Hé. Hey. Tu as du temps pour parler, Beta ? Ouais, bien sûr. Les filles vont partir pour la retraite organisée par la mosquée. Il n'est pas trop tard pour les rejoindre au bus. C'était ce soir. Kamala, on en a parlé. Cette retraite serait l'occasion de s'éloigner un peu de tout ça. Respirer un peu, rire. Nakia sera extrêmement déçue si tu n'y vas pas. Ouais, t'as raison. Je vais y réfléchir. Bien. C'est très bien. Il y aura des glaces, hein? Oh! Et encore mieux, il n'y aura absolument aucun garçon. Je t'aime, Beta. Je t'aime encore plus. Mais tu comprends. J'en étais où ? Indice de mot de passe. Premier amour. Oh. Quoi ? Allez, Kamala, tu peux le faire. J'aurais répondu la même chose. Il n'y a pas de tirer. Allez, quoi ? J'ai envie de prendre une glace, j'avoue, mais j'ai pas. Bah, son premier amour, c'est lui-même. I want man. Oh non. C'est pas possible. C'est pas vrai, ça marche! Oh, ça y est! Je suis dans le système! Oui. Oui, je dois tout copier. Grâce à votre énorme ego, Monsieur Stark. J'ai pas compris comment elle est rentrée là-dedans. C'est quoi ça? Stop! Non! Non, non, non! Oh! C'est bloqué! Non mais genre elle a aucun pare-feu, elle a même pas installé Thor TOR hein. C'est que je tiens quelque chose. Sur son ordinateur et elle va dans le dark web. Là c'est fini, elle est fichée hein. J'ai dû taper en plein dans le mille. Je dois rejoindre le QG et regarder ce qu'il y a sur cette clé. Hein? Oula! J'ai pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Faut grimper le long d'un mur. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'elle a le pouvoir de Mugiwara no Luffy. Mais genre t'imagines son daron là. Toc toc, oui. Vous avez essayé de rentrer dans le système d'AIM. Les pains volants sont partout.
travail. Et voilà. Pourquoi s'embêter avec des systèmes de sécurité dernier cri alors que je suis la seule à pouvoir réussir ce saut? De retour au QG. C'est le bazar, mais c'est mon bazar. Ouais, il est bien usé. Je me demande si certains modèles sont adaptés aux frappes super géantes. Bon, on va céder sur l'ordinateur. Ah, Amir serait scandalisé par tout ça. Mais d'un autre côté, mon frère se scandalise d'à peu près tout. De quoi, là ? Si quelqu'un essaye de m'avoir à distance, il risque d'être surpris. Avec mes bras extensibles, c'est la victoire assurée. Et qu'est-ce là ? L'ordinateur est en haut. Je voudrais pas me cogner la tête en sautant comme la dernière fois. Il me faut mon ordi. Where is the ordi ? Ah ouais, genre il s'est fait un truc dans un château d'eau et tout. Grave nice. Avec l'électricité. Le chimère, ça vient sûrement des caméras de la salle du réacteur. Le docteur Tarleton. Mais vous étiez censé être sur le pont de commandement. Oh, Cap ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh le bâtard! Oh non! Tarleton l'a enfermé? Il n'y a jamais eu de panne. Il a tué Cap. Oh mon dieu, il a tué Cap! Quoi? La ballerine? Oh non! Le parc des héros. Je sais pas. Ça pourrait être un piège. Mais si c'était pas le cas. Je dois montrer ça. Quelle surprise que ce soit un méchant. Vous avez dit, il était modélisé. Il avait un souci de couleur. Genre son daron, il va être traumatisé là. Il va dire, mais bon, ma fille, qu'est-ce que t'as fait ? Je vais lui mettre une calotte. Et ce sera fini. Alors, est-ce que c'est... Non, je disais, est-ce que... Toujours mettre 3 coups dans les jeux vidéo pour ouvrir un truc. Pourquoi 3 et pas 1 ou 4? C'était quoi ça? Dirait quelqu'un frappe à la porte. Je vais ouvrir. Oui, un inhumain a été repéré dans la zone. Selon le protocole inhumain section 3 paragraphe 8.2, veuillez rester immobile pendant toute la durée du scan. Ça va aller, ma chérie. Reste bien. Scan terminé. Aucun ADN inhumain détecté. Merci d'avoir coopéré. Si vous souhaitez évaluer la prestation du scan, une enquête de satisfaction. Une enquête de satisfaction. ça c'est marrant ça. Le mec a pensé à faire ça, ça c'est drôle. Probablement une inspection de routine. Oh,
Ça, c'était drôle, ça. 3 est considéré comme le chiffre parfait. D'accord. Moi, le jour où je fais un jeu, je mettrai 6. Juste pour faire chier. Ouvre-toi la porte. Non, mais... Avec mes gros doigts, là, j'aurais déjà arraché la porte. En vrai. En vrai. C'est la première fois que je vais au parc par ce chemin. Tout droit, j'imagine. Si Tarleton mentait à propos du pont de commandement... Il t'a fait ça faire ou quoi? Bonjour, je suis le docteur George Tarleton. Putain, mais les pubs... Déjà, t'es là. Imagine, t'habites là, là. Le mec, il fait sa pub. Il l'édifie toute ta maison d'un putain de rayon jaune horrible. Et en plus, il parle. Genre, à 3h du matin. Bonjour, je suis Tal Tumptonman de IIM. Pas très gracieux. Mais j'ai réussi. 666. Non, je dois trouver. Imagine. Horrible, tu sais, tu fais un trophée caché et en fait, faut appuyer 666 fois sur une touche. Mes parents m'ont pour ouvrir une porte. Quand j'étais petite. Bon. Allons-y. La IA me détruit cet endroit. De toute façon, moi j'aime bien m'attarder sur les petits détails nuls hein. C'est troll, mais en vrai la pire affiche publicitaire. Tous des inhumains. Et tous portés disparus. C'est de ça qu'Abou avait peur. Aïe, aïe, aïe. La première personne qu'ils ont appelée inhumain. Oh, ça fait 4 ans déjà. Bonne cachette pour surveiller la statue de Cap devant. Ouais, moi je fais ça parce que j'ai besoin de points sur la map pour me repérer. Besoin d'un coup de main, mon grand. Oh, la statue de Hulk, elle est démembrée. Bon, en vrai, ici, y a que des junkies. Ça fait trop longtemps. J'ai pas encore eu de bug sur le jeu pour le moment. En tout cas, c'est beaucoup plus stable que la bêta. La ballerine. Ça, c'est pas les petits cons. Donne-moi ça. Hey, hey. Tu vas où? Chez moi. Déjà? On vient d'arriver. Hé, hey, t'as soif? Non, non, merci. Quoi? T'es en train de prier ou quoi? Je prends juste un raccourci, c'est tout les gars. Un raccourci. Allez, va-t'en d'ici. Hé. Hey. Joli briquet. Donc tu veux qu'ils reviennent? Pour qu'ils puissent tous nous tuer? Quoi? Non. Non? Non? Non. Alors quoi? Hmm? T'es un fan des inhumains? Du calme, les gars. Tu soutiens des sales traîtres. Arrêtez! Est-ce que ça va? On dirait que t'as une petite copine. Zach, mate-moi son sac. Pas honte d'aimer des assassins. Je veux juste rentrer chez moi, ok? Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Mon petit frère était présent au Heyday. Avec son histoire débile sur Captain America. C'était pas la faute de Tout Cap... est de leur faute. Il est devenu violet et bizarre. Et puis ils l'ont enlevé. Hé, hey, vas-y, Molo. Zach, calme-toi, mec. Il est mort. Arrête. Il est mort. Zach. Il est mort. Oh. Reculez. C'est l'une d'entre eux. Faut pas qu'elle nous touche. Allez, on se barre. Hé, hey. Est-ce que ça va?
Elle lui a brisé toutes ses côtes. Allez, on y va. Ne me touche pas. Quoi? T'es la ballerine ou pas? Qu'est-ce que je dois faire de ça? Mais de quoi tu parles? Laisse-moi partir. Hé! Faut que j'y aille. S'il m'attrape, ma photo va pas tarder à rejoindre les autres sur ce mur. Alors fuyons, hein. Moi je croyais que c'était lui la ballerine, mais je me suis dit putain, c'est une victime pour un mec qui pirate. Bah allez alors. Ouh. Police! Ah oui, les cheveux. J'ai un bug de cheveux. Genre pendant une scène, bon pas capable de durer longtemps, donc je pense que la texture a pas eu le temps de charger, le personnage avait pas de cheveux. Nos cheveux. T'as Hulk, il est grave bien fait. Genre les détails, les petites veines et tout. Faut que j'y aille. Putain, comment j'ai pu foirer un truc d'infiltration, quoi. C'est un petit peu ma spécialité, quoi. L'infiltration, c'est mon rayon. Je vais pas aller à la rencontre. Aucun signe de la fugitive inhumaine. Non, elle a disparu. Où est-ce qu'elle a bien pu aller? Allons voir par là-bas. Mais pas là-bas. Ah. Bien reçu, bien reçu. Oh là. Avez-vous trouvé Mugiwara no Luffy? Non, sir. On la cherche. Ok, attends. Ok. Merde. Zut, flûte, crotte de mic. Bien reçu, bien reçu. Est-ce qu'ils savent qui je suis? Oh, pour pas là. Où j'habite? Bah, j'espère pas, sinon. Son daron il va être fâché. Salut Fufu! Comment ça va? Fufu, doubleur droïde d'attaque. J'avoue, pas besoin d'effet, hein. C'est ça, on a besoin de toi ailleurs. Moi, je te le fais, pépère. Hein. Je peux m'échapper par ici. Un tag. Il y a un tag présent ici. Et si j'allais au parc rencontrer la ballerine? Mais quel idiot. Un golem qui roule ne prend pas la poussière. Je crois que j'ai vu quelque chose. Ça, pour des robots, ils sont pas très futs. Hein. Et ça part. ADN inhumain détecté. Elle est passée ici. Ah bah, elle repassera par là. Ça cite du lol et ouais, toujours. Réfléchis, Kamala, réfléchis. Oh la merde. Un golem qui roule ne prend pas la poussière. Salut Sony, comment vas-tu? Bon, eh. Ça y va. Oh, merde. Ce n'était qu'un poisson. En vrai, moi, j'aurais des robots sous mes ordres, je dirais regarde ici. Et je le ferais regarder et il bougerait jamais. Oh non. C'est encore plus dégueu. Hop, et là y'a. Alors allez-y, maintenant. Je vais avoir de la compagnie. Hop, là va y avoir Killer Croc là. Il coupe par les égouts. Vite. Eh, ça met une petite pression quand même, hein. Bon, allez, c'est parti.
Il y a des ombres par là. Là, il y a... Oup, 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 oup. Mais non, mais oh! Oh non, les égouts. Mon seul point faible. Oh non, mon seul point faible. C'est pas DC ça? Si, DC, Marvel. Hey, c'est la... Tu louches un peu, c'est la même chose. Hein. T'es le gros bâtard. Sachant que, personnellement, je suis un très grand fan de DC. Pour moi, je préfère DC à Marvel. En termes de comics. Mais pourquoi dans le cinéma, bordel à cul, ils arrivent pas à faire un truc bien, quoi? Le travail, il est mâché. Il y a juste à prendre un comics. Ombre. J'avais pas vu l'ombre ici en fait, c'est ça qui m'attrape. Mais j'adore Avengers aussi, hein. Genre j'aime bien les films, mais je m'attache un peu moins aux... Je pensais pas avoir à pousser des poubelles aujourd'hui. Aux comics. À part Deadpool. J'ai des comics Deadpool, parce que Deadpool aussi va c'est de la merde. Liam a aussi lancé des humains à ma poursuite, qui peuvent se téléporter. Donc, vu que le film était naze, je me rattrape sur le sur les comics, ils sont incroyables de Deadpool. Ah, j'appuie sur mauvaise touche. Hein. Moi, j'appuie sur carré à, j'ai l'habitude des touches Xbox. Hop là, c'est bon. Mais ouais, je suis plus comics DC. Je trouve que les histoires sont beaucoup plus matures que les Marvel. En général, hein, je ne parle pas de tout ça. Je crois que c'est bon. Après, bon, Batman, quoi. À Gotham Knight, je vais le déglinguer. Ah, je l'attends de ouf. Ah, ben voilà, je me suis fait... Bavure policière, manifestation. Inhuman Live Matters, là, direct. Ah merde, il y a Capleton qui me parle. Tartleton. Tarleton. Tarleton. Ah bien, tu es réveillé. Je suis pas fan de Robert Pattinson. Je suis désolé. Ces synthoïdes n'ont fait qu'appliquer leur... Oh mon composition. Dieu, Jimmy Neutron. Le vol d'informations privées est un grave délit. Monica, laisse-la respirer. Putain, mais il est devenu un hyper cerveau, c'est un Brainiac en vrai. Qu'est-ce qui se passe? Un Brainiac, mais non, Brainiac c'est dans DC. Où est-ce que vous m'emmenez? En lieu sûr. Excuse-moi. Je sais que je ne suis pas aussi bien que mon homologue holographique. Mais il faut bien plaire aux actionnaires. Et pourquoi il se montre comme ça? Docteur Dalton. En personne. Pourquoi pirater nos serveurs? Pourquoi se montrer? Je ne vous ai rien volé. Alors, qu'est-ce que tu cherchais? Le remède, peut-être? Kamala. L'AIM veut seulement essayer de nous libérer de l'emprise des plus puissants. En toute subjectivité. Un pouvoir illimité, c'est dangereux, voire mortel. Le Heyday en est un bon exemple. Toi, tu as la chance d'être en vie. Mais grâce à la technologie, nous pouvons les combattre. Nous pouvons te rendre ta vie normale, Kamala. Bon, j'ai deviné le mot de passe, ok? Je pensais pas du tout réussir. Elle est clairement violente. Son infection a dû se propager. Hein? Je voulais faire de mal à personne. Je sais bien. Mais qu'arrivera-t-il si tu perds encore le contrôle? Qu'arrivera-t-il si tu fais du mal à quelqu'un que tu aimes? Même les Avengers ont souffert de leur orgueil. On a vu les mêmes films, hein, t'inquiète pas. T'sais... Ouais, moi je suis toujours pas convaincu par Robert Pattinson. Vous y étiez? Je veux dire, quand Cap est mort. Vous y étiez? Ah, elle en sait trop. Oui.
Heureusement, Monica m'a trouvé sur le pont. Sa formule de régénération m'a sauvé la vie. Allez, Kamala, saute le pas, hein? L'AIM peut t'aider. Je vais tenter ma chance. Ah! Sans Georges, rattrapez-la, vite! Bravo, Kamala. Tu viens de révéler que t'étais une inhumaine. Idiote! T'imaginais quoi? Mais quoi? Hein? Non. Devenir une résistante? Une nouvelle héroïne? Non, là, y a des trucs qui me tic-tac. Je peux plus rentrer. Ami, Abou, ils seront punis pour m'avoir caché. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Moi, je trouve qu'il a une grosse tête. Genre, quand il est en costume de Batman, Robert Pattinson, il a une grosse tête. Pour moi, Batman, il doit faire un acteur qui fait au minimum 1m90 et stock comme Jaja. Je veux un Batman balèze. Base du Shield. La résistance doit savoir quoi faire. Vous avez été identifié comme une inhumaine. Alors, bon, y a des questions que je me pose. Voilà, je me permets de faire une petite pause. Pourquoi, genre, le mec se montre, genre, bah, personne ne sait qu'il est comme ça. Genre, c'est un, voilà, genre, il montre qu'il a une grosse tête et tout, que c'est limite un inhumain. Pourquoi il se montre en mode « Je suis le boss du game et tu as osé rentrer sur mes serveurs ?» Tu vois, c'est un peu bizarre. Et genre, elle s'échappe comme ça. Genre, elle avait pas un covoit. Il l'emmenait où? Pourquoi? Enfin, bref. Rendez-vous maintenant. Non, merci. Là, c'est un peu bizarre. Je trouve. Peut-être qu'on aura des réponses. Mais là, je trouve que c'était... C'était scénarium. Je ne vais pas m'engager. Il faut que je quitte la ville. Non, arrête. Parce que scénario. Ouais, mais bon, oh, les gars. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça. Ça, j'ai trouvé ça. Franchement, je trouve ça super bizarre. Quoi? Arrêtez-vous! Ils ont des ninjas maintenant. Kamala Khan, arrêtez-vous! Sûrement pas! Genre, y a pas assez de non-humains dans la nature pour que moi, vous me fassiez chier! Pour accentuer le drame. Je suis le méchant. Je me déplace pour chaque inhumain. Moi que je vois. Pourquoi il y en a qui se font chier à casser le sol alors qu'ils peuvent faire des sauts? Ok, c'est parti. Allez! Chaque héros dispose d'une jauge intrinsèque qui imite l'utilisation de ses capacités spéciales. La capacité polymorphe de Miss Marvel lui permet de changer la forme de son corps et d'éviter automatiquement les attaques signalées par un indicateur à blablabla. Tout en augmentant sa force d'attaque. Maintenez R2 pour utiliser la capacité polymorphe. Utilisez cette capacité et puis énergie intrinsèque qui se régénère progressivement. Très bien. Veuillez voir devant les autorités de l'AIM. Identification positive. La faillante est une inhumaine. Qu'est-ce qui m'a trahi? Prends dans ta gueule. Prends dans ta gueule. Eh hey, check. Profiste. Non mais moi j'ai ce pouvoir, je fais que ça, que des coups à distance à la Mugiwara. Gomu Gomu no! Je donnerai pas à nos nouveaux amis un petit coup de main. Jette ton pistolet! Génial, mes préférés. Check. 3 hors de portée. Check. Ah. Alors arrêtez d'essayer de me tuer. Pourquoi il nous la faut vivante?
Ah ouais, ils veulent faire leur test de... Ils veulent me guérir de ma maladie. Hop, elle esquive tout, là, c'est The Mask. Hop, check. Hop, check. C'est le check de la distanciation sociale, c'est ça. Et un mètre, les gars. On respecte les distances de sécurité. Hop, je vais dans Delta Utah. Je sais pas où c'est, mais... Bonsoir. Voilà, si elle avait utilisé NordVPN, ça se serait mieux passé. Il se clonait presque parfaitement, à l'exception d'une variation dans la couleur des yeux. Les cellules se divisent au centre afin de créer deux individus distincts. Oh, exactement comme le ver planaire, sauf qu'il est humain. Tout à fait. Et il peut retenir tous les souvenirs du sujet original. 0925 génère de puissantes salves d'énergie et il y a au moins 6 sujets avec des pouvoirs basés sur le feu. Nous constituons un arsenal. Et nous pouvons en programmer toute la puissance. Plus de héros, plus d'erreurs possibles. C'est l'heure de ta nouvelle dose. Je me sens bien. Tu as été dans le coma pendant 6 mois. Tout à l'heure, tu pouvais à peine contenir ta toux. Encore quelques doses de ma formule de régénération, et le traitement sera terminé. Ils allument encore des bougies au pied de cette statue. S'il n'y avait pas ce marteau, je l'aurais détruite. Oublie ça. On ne doit pas savoir que tu t'inquiètes encore au sujet des Avengers. Mes hommes s'en occuperont. Il y a un adaptoïde à lancer. Mais tu as raison. Cette version risque d'être plus... puissante. Elle est stabilisée. Presque. C'est vraiment incroyable. Aucune limite à mon pouvoir. Genre c'est l'empereur quoi. C'est pas le Poutine. Yo Light, comment ça va? Bon, mais le problème c'est que vu que j'ai cité NordVPN, va falloir que je cite d'autres VPN hein, pour que ce soit correct. J'en connais pas d'autres. Il n'y a pas eu assez de PSP pour les autres. Il y a Add My Ass, Thor. Oh, ça suffira. J'en cite 3 comme ça. Il ressemble à Cortez dans Crash Bandicoot. Putain, oui. Bien joué. Bonjour, c'est Youssouf Khan. Merci de laisser un message et je vous rappellerai. Hé, hey, Abou. J'ai suivi ton conseil, je suis avec Nakia et les autres à la retraite. C'est à peine croyable, mais il n'y a aucun réseau ici. J'ai dû monter super haut pour trouver cette cabine et pouvoir t'appeler. Enfin bref, t'avais bien raison, on s'éclate. Je reviens dimanche soir. Promis, je serai sage. Je t'aime encore plus. Ouais, la bêta m'avait plus ou moins convaincu. Mais maintenant, c'est super stable, je trouve. Pourquoi il y a un pick-up qui m'attend? Non, il est juste pour mettre de sens. Bon, on sait tous que les cabines téléphoniques ont un numéro de téléphone. Genre, j'espère qu'elle devait aller dans l'Utah, quoi. Sinon, c'est un pieux mensonge. Kamala avance, exténuée par son long trajet. Elle saute de la crête pour rejoindre le ruisseau en contrebas et poursuit ses recherches.
C'est les pires sous-titres, hein. Moi, je voulais juste les sous-titres quand ils parlent. Mais me mettre des sous-titres, genre... Toutes les théories du complot que j'ai pu trouver en ligne... Genre, je suis pas aveugle, tu sais, on voit très bien ce qu'elle fait, tu vois. C'est la seule chance qui me reste. Surtout que... J'ai quand même désactivé, genre au niveau des sous-titres. Les sous-titres pour malentendants. Donc ça, pourquoi ils proposent de l'activer ou de le désactiver, tu vois. Genre c'est... Je sais pas. Au moins maintenant, je sais que des gens sont passés par là. C'est moi tout craché. Traverser la moitié du pays en écoutant de simples rumeurs. Mais c'est tout ce qui me reste. Oh non, des crocos. Ah non, c'est bon. Pourquoi la liane viendrait jusqu'ici? Enfin! Autre chose que des rochers. C'est un bon ou un mauvais signe? Perfectus area. Ah, par contre, pour les panneaux... Là, y a pas de sous-titres, hein. Aucune traduction. Voilà, y a une antenne réseau. La résistance. Ça doit être là, Kiss. C'est sûr que c'est là. Mon IM les a trouvés. Lorsqu'un héros subit des dégâts, sa volonté diminue. Lorsque vous accordez Kamala Khan, restaurez sa volonté en utilisant sa capacité héroïque de soutien esprit guérisseur. Chaque fois que la jauge héroïque de la gauche est pleine, c'est L1. Hop, esquive. Hop, esquive. Et check. La IM est déjà ici. Oh, et... C'était bien leur base. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Peut-être qu'ils ont réussi à s'échapper avant. Non. Certains ont dû réussir à s'échapper. Ils doivent être encore dans les parages. Oh, des ressous. Des nanites. Omae wa mo shinderu. Nanite! Il faut que je continue à chercher. Oula. Yes. T'as imaginé, ça avait été fait sous Unreal Engine 5, comme la démo là qu'ils ont montré dans les endroits rocheux là. Ah, ça aurait été incroyable. Il m'aurait fallu une troisième main. Wesh, la meuf c'est Luffy, bah oui! M'en veux pas, à vous. Je me dégourdis juste un peu les jambes. Oh. Mes parents flipperaient s'ils me voyaient ici. En tout cas, moi je flippe. Pourquoi elle a pas utilisé sa main pour s'élancer direct tout en haut? Oh mon dieu! C'est pas possible. Le chimère. Je les ai trouvés. J'y crois pas! Je les ai trouvés! Et l'IM, ils l'ont pas trouvé? C'est parti. Ah ouais. Génial. Là, ça commence à devenir sympa. Bon sang, vous avez vu ça? Oh. Alors, niveau Morcon, on en a eu, hein. Mais je crois que celle-là, elle les surpasse toutes. C'est quoi ce bordel?
Oh putain. Bon, en tout cas, merci à toutes les personnes qui follow, ça fait plaisir. Arigato gozaimasu. Mettez pas de notification parce que je vous aime pas trop. Vous êtes quand même un peu dans mon cœur. Alors. La résistance doit être ici. Comics. Elle marche au calme et puis elle met des coups de poing géants. Dans tout ce qu'elle voit. Je pensais qu'il y aurait des gardes à l'entrée. Ouais. Oups. La salle du réacteur était en bas. Je devrais sans doute monter. Et il y aura les rediffs sur la funeral play, voilà. Au passage. Si je pense à les upload et que je suis pas trop flemmard pour les mettre en ligne. En fait, je suis pas flemmard pour les mettre en ligne, mais j'ai la flemme de faire des miniatures. Ça me saoule. Genre, faut ouvrir Photoshop et tout. En vrai, je mets les VOD juste comme ça. Hein. En vrai, je m'en fous. Oh, c'est pas vrai. Le pont de commandement. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Miss Marvel 002 plaque. J'y suis. C'est le quartier général de la Résistance. Il doit y avoir un mot ou une carte. Quelque chose qui indique où ils sont allés. Sauf si... ils ont pas voulu laisser de traces. Ouais. Plutôt intelligent. Plutôt... poussiéreux. Non, ils sont forcément ici. Les votes sont cool, merci. Oh, je mets des coups de poing. Bonne grosse patate dans les chiffres. Oh. Ah, il y a un ordinateur qui vient de démarrer. Alright. Peut-être que je peux accéder au quartier de l'équipage. Ah, oh, évidemment. Insufficient, Poé. Établisse le courant. Bien entendu. Ah, y a peut-être un disjoncteur que je pourrais activer. Oui, j'ai upload tous les horizons sur la funeral place, c'est juste que ben il faut que je le mette en ligne, c'est tout. Mais tous les horizons seront là. Et d'ailleurs, faut que je fasse le DLC dès que je peux, Frozen Wild aussi. Mais il y a Horizon et il y a aussi. Voilà. Je crois que je peux l'atteindre. Ah, un autre. Oh, j'ai plus fait. Allez, concentre-toi. NSR, No Stress Rose, voilà, je cherchais. On dirait que ce vieux machin est en train de tomber en ruine. Nac ! Oh ouais ! Quoi ce bordel ? C'est quoi ça ? Un truc qui brille ? Waouh ! C'est bien ce que je crois ! Le bouclier du Capitaine. Wow.
Comment il peut encore être là? C'est tellement léger. T'avais raison, Cap. Le Terrigène est vraiment très puissant. Qui est là? Oh non! Oh oh, bah tiens, je vous disais, imaginez, il y a Hulk qui vous court dessus. Putain, le bouclier il a bugué. il a pris une pose chelou. En vrai, j'aurais pu utiliser le bouclier en mode Mary Poppins. Hulk Crusoe. Son meilleur ami, c'est un ballon. Un ballon de volet. Prototype. Non mais les gars, vous voulez me ravieillir? Ça se dit pas, mais je le dis. Mais lâche ce bouclier! Non mais moi, Hulk, il me gueule comme ça dessus, je me suis déjà pissé dessus, j'ai chié dans mon froc, genre, mais la totale, hein. Aïe, aïe, aïe. Ça, apparemment, on n'a pas trop le choix. Ah. C'est pour qu'on puisse... Ça m'étonne pas que la résistance soit partie d'ici. Mur en destruction. On verra la différence. Il doit y avoir un moyen de retourner sur le pont. Hulk aurait déjà dû se retransformer en Docteur Banner. On dirait que je vais devoir me débrouiller toute seule. Un bouton rouge. J'imagine que je risque rien. J'ai pas vu Thor Ragnarok. En fait, après Civil War, j'ai rage quitte le MCU jusqu'à Infinity War où ils ont porté leur couille et ils ont commencé à faire une histoire intéressante. Dommage que Endgame ait un peu gâché. Il faut juste que je réussisse à atteindre. Et un peu gâché. Certains seront peut-être pas d'accord avec moi, mais je trouve que Endgame a un peu gâché la. Ils ont... Sur ces boutons, je déplace ces plateformes. Voilà, bon, on va pas en parler, ça... Peut-être d'un moment... Faudrait que je me le rematte, mais je sais que quand je suis allé voir au ciné, j'étais un petit peu déçu. Encore un peu plus haut. Civil War, j'ai vraiment eu du mal, hein. Et franchement, le seul truc qui m'a fait tenir, c'est qu'il y avait Spider-Man, hein.
Mais j'ai vraiment eu du mal. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il manque la poignée. Ah merde, ça marche. Il manque une partie. Il y a peut-être quelque chose qui pourra m'aider par ici. Alors, est-ce qu'il y a une poignée Bracelet. Band. Un insigne. Est-ce que j'ai pouvoir être bogasse? C'est dommage que ça change pas notre apparence. Parfait. Enfin, j'ai moi j'ai pas trop aimé Civil War. L'autre avec son bras d'acier. Voilà. Mais Endgame, ils ont tellement. Genre, et ils voilà. Avaient porté leur couille en tuant tout le monde. Maintenant, et dès que j'ai vu cette histoire de remonter le temps de Baï Quantique, j'ai fait aïe aïe aïe. C'est, ça part trop loin. Et c'est dommage. Ah merde, qu'est-ce que je fais? Et c'est dommage parce que putain, il aurait été excellent. D'accord, ok. Après voilà, moi, c'est mon avis strictement perso. Bah, à part, la campagne, c'est que en solo. Et apparemment, pour faire le coop, il faut finir la campagne. Voilà la sortie. Et je pense que l'histoire va être très longue. Il n'y a aucun signe de la résistance. Hulk a dû les faire fuir. Je dois trouver un moyen de sortir d'ici. Je suis censé faire quoi de cette vidéo maintenant ? Ah 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 ah. Le tueur de la cible, Kamala Khan. Il vous demande un sort. C'est ordre que tuer la cible du monde. Vous m'avez suivi jusqu'ici? Oh, c'est vraiment glauque. Le tueur de la cible, il vous demande un sort. Check mon frère. Check. 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 J'adore faire ça. Je vais rigoler comme un connard comme ça tout le temps. C'est bon. Oh là là, il y a un robot avec une bandelette sur les yeux. Oh là là, il a une double lame, c'est Z. Un Brom Z. Les ennemis repérés par un indicateur d'attaque rouge, nanana nanana. Même pas peur. Un Ryobo. Très bien. Oui. Stop. Hihi. Hihi. Je me tire d'ici et j'emporte cette clé avec moi. Ça me tue. Ouais, moi aussi hein. Ah merde, je peux même pas boire mon Fanta tranquille là. Et là Hulk va venir. Hulk à l'aide. Je
Attendez, faut que j'appuie sur des touches. C'est nouveau ça. Je suis géante. Oh là là, grosse patate là. Alors Ant-Man, qu'est-ce t'en dis? Oh, je vais pas péter un avion ou deux quoi. Gomun Gomuno! Gigantu Pistolet! Hihi! C'est stable là, les framerates. Comparé à la bêta, c'est vachement plus agréable. Elephantu Gatling Gun, je sais pas trop dans One Piece, est-ce qu'il a un Gear Giganto? Ah merde. Hulk saute devant elle, tandis qu'elle s'évanouit. Genre non mais c'est vraiment des sous-titres pour aveugles en fait. Au cas où tu ne vois pas ce qui se passe. Mais oh, tout doucement, tout va bien. J'essaie simplement de te garder en vie. Ok, mais ok. Mais enfin, ça se fait pas de prélever du sang. Je sais, dans des circonstances normales, non, mais ce ne sont pas des circonstances normales. Docteur Banner ? Oh non. L'autoroute 9 est à 30 km de l'autoroute 90. Si tu prends la 90, prends l'arrêt de bus et ensuite tu... Mais qu'est-ce que vous racontez ? Ça fait peut-être un peu trop longtemps que j'ai pas été moi-même, alors... Vous êtes là depuis quand ? Ça fait quelques années, oui. C'est incroyable. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, c'est pour ça que la IM traque une gamine dans le désert. Pas tout à fait. J'ai peut-être pris quelque chose sur le serveur de l'AIM. Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je sais, d'accord ? C'est juste, je pense que vous devriez regarder. C'est Talton. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'il est en train d'éteindre les protocoles de sécurité ? Il vient de... Oui, hein ? Voilà, c'est ce que je pensais. Il a enfermé Cap dans la salle du réacteur et il a tenté de saboter le chimère. Je crois que tu extrapoles. On savait très bien que le réacteur ne fonctionnait pas correctement. Donc peut-être que Cap lui a demandé d'éteindre les protocoles de sécurité et après de fermer non, la porte... Non, je connais par cœur les témoignages du Heyday. Talton et Monica étaient censés se trouver sur le pont de commandement lors de l'explosion. Et c'est pour ça qu'ils s'en sont sortis de justesse. Mais ça prouve que Talton n'était pas sur le pont de commandement lors de l'explosion. Ça prouve qu'il a menti. Et... On peut pas voir la suite. J'ai pas pu la voir.
Le reste de la vidéo est corrompu. Ouais... Écoutez... Et si vous aviez été piégé ? Oui, Tarleton, l'AIM, ce soi-disant remède... Tout ça, ça tient pas debout. Il y a un truc qui cloche, je le sens. Pas vous ? Activez, désactivez le site pour malentendant. En fait, mais quand tu désactives, dans les phases cinématiques, ils te les affichent quand même. Et moi qui croyais que tu étais qu'une petite voleuse qui voulait le bouclier de Cap. Donc... Je me demandais... Monsieur Stark pourrait nous aider ? Je veux dire, le système est basé sur sa technologie. Si quelqu'un peut l'infiltrer, c'est bien lui, non ? Ah oui. Il y a un arrêt de bus sur l'autoroute 9. Tu vas continuer vers l'ouest. Et en chemin, tu tomberas sur de vieux amis qui t'aideront. C'est l'équipe de Maria. Tu leur dis que c'est moi qui t'envoie. Et ensuite, tu pourras leur faire voir tout ça. Mais enfin, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui va pas, non ? Désolé, je ne peux rien faire pour toi. J'aimerais, mais je ne peux pas. Vous êtes le docteur Bruce Banner, l'un des plus grands esprits de notre temps. Grands esprits. Regarde-toi. Regarde ce qu'on a fait. Tu ne sais pas à quel point c'est dangereux. Tarleton appelle les gens comme moi des inhumains. Il dit qu'on est malade, violent, foilier. Et il dit que notre maladie finira par tous nous tuer. J'en crois pas un mot. J'irai voir Monsieur Stark toute seule. Attends, je... Il te faut un véhicule. Vraiment ? Elle respire jamais, hein. Elle fait qu'aspirer depuis tout à l'heure. Tony a stocké le gros du matériel ici. Bruce frustré. Ferme les yeux pour un moment. Si quelqu'un sait où se trouve Tony, c'est Jarvis. Ce chemin devrait nous mener à l'entrée secrète des archives. Génial ! J'adore les randonnées. J'aime ton enthousiasme. Ah, ça c'était la mission de la bêta. Communication que je t'ai donnée. Ouais. Il est pratiquement invisible. Dites, pourquoi vous êtes revenu aux chimères ? C'était pas moi, mais lui. Donc, il a fait fuir la résistance ? Pour être franc... Je crois qu'il n'y avait personne, Kamala. Le grand gaillard s'est castagné avec quelques agents du SHIELD. Mais après ça, rien. Oh. Je vois. Je crois que j'ai trouvé un truc. Oh, c'est un peu étroit. Attention à ta tête. La fille relou. Oui, c'est de ouf. Je la déteste. Attendez. Jacques, dans la démo, elle a osé. Merci. Enlever le métal de Tony Stark pour mettre une musique pop de merde. Juste là. L'entrée devrait s'y trouver. Cool. Il va refaire dans pas longtemps. Au fait, à quoi il ressemble, Jarvis ? Un disque dur datant de 1998. D'accord. Autre question. Ça ressemble à quoi, un disque dur datant de 1998 ? Sérieusement ? Wow. Enfin.
C'est quoi ces jeunes qui ne connaissent rien? Bon sang. C'est bien scellé. Envoyez des unités de capture. Docteur Banner, qu'est-ce que je fais? Quoi? Voilà. Donc la rage est active, les attaques réussies affichent plus de dégâts et augmentent votre volonté. Quand la rage est active, est subie. Intrinsèque au lieu de réduire votre volonté. Du tout. Oh, non. Rendez-vous sur le territoire. Vous êtes prévenus. La IM est partout. Comment ils ont pu arriver si vite? Puissance maximum engagée. Oh là là. Hulk, tellement jouissif comme gameplay quoi. Mais ouais, y a plus les soucis de la bêta sans le framerate et tout. Mais quel enfer! Combien ces salauds là? Ça drôle. C'est pas grave. Je crois que Bruce non plus n'aime pas mes blagues. Ok. Pas Bruce. Je mentionnerai plus le type aux lunettes. Et d'ailleurs, est-ce que Bruce voit ce que voit Hulk? Attendez, ça se casse ça. De l'équipement. Hop, des côtes d'acier. Hein? Ouais, t'as raison. C'est une véritable base. Il s'en fout. Hey. Tout va bien? Ok. Alors, ça va? J'imagine. Oh non. La IM s'est pas contentée de venir. Ils sont carrément installés ici. On doit trouver Jarvis et ficher le camp. Ouh.
hop, casse tout, hein. Oh, j'ai hâte de prendre une douche quand on en aura fini ici. C'est sûrement les archives. Trois plans. L'AIM a dû s'installer ici. Hop, des petits buildings. Hop, ils ont dû s'installer ici. Entrer dans ces conduits et regarder. Ouais, ouais, ça marche aussi. L'AIM est partout. Fais diversion et je vais essayer d'entrer. Ils ont posté des gardes partout. C'est peut-être pas une bonne idée. Écrasé, AIM! J'y suis! Oh, ces conduits sont énormes! On dirait que l'AIM a construit le bâtiment autour des archives d'origine. Tout est neuf. Oh putain de trucs là. Ah. Bon. Oh, j'ai eu chaud. Ils ont failli me repérer. Claque dans la gueule. Voilà, Hulk pas content. Les archives doivent être plus loin dans le bâtiment. Je vais continuer à chercher. Le gardien qui est en mode ah non, c'est Hulk. Laissez-moi m'enfuir. T'as des esquives avec Hulk là. Hop, l'écran d'équipement. Améliorer la puissance des pièces d'équipement et des artefacts. La force de leur attribut. Tenez carré, la da 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 da. Nice. Machine. Casse les portes.
Docteur Banner, arrêtez! Retirez les passerelles, évacuez les sujets vers le site numéro 3. Tarleton est ici? Il cache quelque chose au dernier étage. On se rejoint là-haut? Ce sont peut-être les archives. Oh, des petites patates là! Pourquoi je peux faire de triangle rond à celui-là? Des petits coups radioactifs. Oh, y'a un petit coffre là, les salauds! On agit. 34,9% de chance que les esquives parfaites déclenchent une explosion étourdissent. Mais en vrai, il y a Hulk qui arrive. Moi, j'essaie même pas de lui tirer dessus. Moi, je cavale. Je lâche mon arme, je me cache. On bat les couilles. Il n'y a pas notre temps. Un petit heal, voilà, on se fait bien. Bonsoir, cher Yukunku. Je peux encore vous aider? Ouais, bien sûr. Ouais! Sort de chance que les attaques critiques corps à corps octroient un élan d'héroïsme. Ça, c'est bon. Elle a quand même beaucoup moins de baisse de framerate qu'à la bêta, c'est impressionnant. Laissez-moi vous aider, Bruce. Et il n'est pas trop tard. Moi, tout cassé! Thank you.
Ah, il m'a mis par terre. Une pièce qui s'appelle le laboratoire de Périgenèse. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, j'en ai aucune idée. T'as réussi ! Ah mais t'aurais servi à quelque chose. Ah bah oui. On a quand même des baisses de framerate, mais c'est quand même moins violent. Laboratoire. Écrase ! Immobilisez-le ! Vous avez vu la vérité, Banner. Vous étiez le seul. Nous essayons de réparer les dégâts que les Avengers ont causés il y a des années, que nous avons causés. Tous ces inhumains ont maintenant une chance d'avoir une vie meilleure. Nous pouvons encore épargner aux inhumains ce qui nous est arrivé. Ils veulent un remède. Ils mentent ! Ils s'en fichent de sauver des gens ! J'aurais préféré ne pas avoir à faire ça. Je vois que vous voulez le combattre. Vous ne voulez pas être cette chose. Mais vous êtes faible. L'un comme l'autre. Voilà par exemple, le sens d'espèce, il est en sueur. Hein. Alors, et puis, pouf, paf, puf, pouf. C'est sûrement l'entrée. Hulk, je crois que j'ai trouvé les archives de Monsieur Stark. Je vais essayer de les ouvrir, ok ? Il faut alimenter les portes. On dirait qu'il y a un générateur par ici. Bon, les petits potes, on va s'arrêter là parce qu'il est un peu tard, quand même. Voilà, c'était pour se donner une impression sur The Avengers, pour voir un peu la campagne. Bah déjà, l'histoire un peu plus complète, ça fait plaisir. On arrive à remettre un petit peu... les pièces du puzzle qui nous manquaient dans les petites bribes qu'on voyait à droite à gauche par rapport à la bêta. Je vous donne rendez-vous demain après-midi aux alentours de... je sais pas. Mais je vous donne rendez-vous demain après-midi. aux alentours de 14h30, 15h pour la suite de l'histoire des The Avengers.
J'arrive, t'as... Ah ben, fallait venir plus tôt. Ensuite, The Avengers. Donc, demain après-midi, je vous fais la bise. Bonne nuit à tous. Merci d'être venu sur live. Même s'il était très court, voilà, c'était histoire de faire un petit minute, 2h du matin, histoire de... J'avais envie d'y jouer. Et je me suis dit, je vais le faire en live, histoire de faire plaisir. Donc, on se retrouve demain après-midi pour la suite, en espérant finir la campagne et pouvoir commencer à aller tâter du solo. Après, j'espère que l'histoire est quand même un peu longue. Dommage. J'espère qu'on pourra faire du coop en ligne sur l'histoire. Moi, je pensais que ça allait être ça. On verra bien. De toute façon, pour le moment, nada solo au bout de quand même presque 2 heures de jeu, un peu plus de 2 heures de jeu. Bonne soirée à tous. Merci d'être venu à Bang. J'espère que tu seras là demain. Ben non, demain, tu bosses peut-être. On se fera des trucs, Bang. En tout cas, merci d'être passé. Je vous dis à demain après-midi, les petits potes. Des bisous tout le monde, prenez soin de vous et à demain. Ciao tout le monde, bye.